pareil, c'est le format plastique, ça. On s'attendait pas à ça. Quoi. Alors, je voulais savoir comment ça a démarré l'idée du projet. Mais alors, le projet, le premier projet est un de mes projets que j'ai déjà réalisé en Alsace, hein, en granit, en 4,50 m de hauteur. Et suite à ce projet, on l'a réduit, on a réduit les formes, on a réduit le concept pour l'adapter à la demande des associations du Libournais. Ensuite, le projet a été proposé à la classe d'élèves de deuxième année Terre de Pierre, qui unanimement ont répondu pour le réaliser. Et à partir de ce moment-là, les élèves ont mis en place un avant-projet, puis un projet avant de réaliser ce que vous avez devant les yeux. D'accord. Et ils sont sensibilisés avec le projet, ils sont les élèves. Ça a été bien expliqué. Hein. D'accord. C'est un thème, ils ont été sensibles à ce thème, au même titre que leur professeur. Hein. Et puis, le projet a été présenté en conseil d'administration, parce que nous sommes dans une institution publique, hein. On ne peut pas commencer de tels travaux qui ont un coût sans l'autorisation du conseil d'administration. Et l'ensemble des collègues, des membres du conseil d'administration, représentant les collègues de l'établissement et des syndicats, ont été unanimement d'accord et ont voté favorablement pour ce projet. Okay. Et c'est quoi la signification des deux mains, là ? La signification des deux mains, elle protège le message qui sera à l'intérieur. Ce sont deux bras protecteurs. On a deux bras protecteurs de chaque côté. Et puis là, nous aurons quatre mains. D'accord. Voilà. Quatre mains et qui supporteront après différents marbres venant de différents pays pauvres dans le monde. D'accord. Et les mains seront faites en quoi ? Les mains sont succinctement taillées, comme vous pouvez le voir. Elles seront seulement arrondies avec juste des petits reliefs pour représenter très succinctement les articulations. D'accord. Bien, on peut faire des marbres succinctement taillés qui partent comme ça, l'ouest vers l'est, et puis plusieurs marbres de plusieurs pays. Ben ça coûterait pas cher, parce que ça, c'est, je le prends dans des marbres de récupération. Ah, de récupération, j'irai dans les entreprises récupérer ça. Oui. Et après, bon, je taille moi là, avec les machines après. Ça, je me le ferai ça. On peut faire ça dans les chutes. Et puis voilà, puis faire un collage au-dessus de plusieurs couleurs, c'est sympathique. Ah oui. Vous voyez? Voilà. Parce que la colombe, on l'a déjà sur le logo. Oui. On a déjà la colombe, on a les hommes là, qui partent des ténèbres, donc de l'ouest vers l'est, avec la colombe en haut. Et puis ce cercle là. Hein. Donc ça, on l'a déjà dans le logo. Donc on pourrait faire autre chose. Le texte, il se trouve où? Là, vous avez le logo ici, le texte est ici et ici. Voilà. Alors, on n'aura pas cette profondeur, dès l'instant, on a des arrondis. Hein. Oui. On n'aura pas cette profondeur. Mais légèrement biais, parce que c'est comme un livre. Hein. Il est, voilà. Hein, en définitive, c'est un message qu'on lit sur un livre. Quoi, hein. L'objectif est là. Et l'élévation, le marbre va prédominer quand il va y être dedans, hein, parce que ces marbres d'Inde sont superbement jolis. Hein, très jolis. Hein, ouais. Ah oui. La pierre va disparaître quand il va y avoir le marbre, hein, un peu. Hein, un peu beaucoup. Il y a du rouge, c'est la révolution. Hein. Bon, c'est une guerre, hein, on se bat contre la misère. Donc à tous les niveaux. Nous, en faisant de la formation pour éviter que les jeunes tombent dans la misère, donc à leur donner la meilleure formation, mais à plusieurs niveaux, on se bat pour ça. Donc le rouge, parce que c'est un rouge strié avec d'autres couleurs, mais le rouge prédomine et on ne fait pas de dorure, ce qui aurait été une faute, hein, je pense. On fait une petite peinture de lettres simples. Voilà, peinture de lettres simples. Hein. Mais on ne fait pas de dorure qui, je pense, aurait été une erreur. Parce que ça représente la richesse, la dorure. Hein. Donc, c'est à éviter. Hein.
Celui-là est marqué dans le budget prévisionnel, et puis après, c'est à force de penser, je me suis dit, c'est une erreur. Ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Donc on fait un lettre blanche, qui est la transparence, c'est quelque chose de simple. Lettre blanche. On utilise de la peinture spécifique pour la pierre, pour les marbres. Alors c'est un granit venant d'Inde, c'est pas du marbre. Hein. C'est un granit. Donc c'est encore plus dur, parce que le problème du marbre, vu sa dureté, il peut s'altérer au fil des années. Que le granit, dans un siècle, deux siècles, il sera encore. Il ne bougera pas. Voilà. C'est l'avantage du granit. Même avec l'érosion de l'eau? Ah oui, là, et ça ne s'érose pas, le granit. Hein. Ça ne s'érose pas. Vraiment, il faudrait qu'il soit dans des conditions catastrophiques. Oui. Ce qui ne sera pas le cas ici, dans nos régions en général. Hein. Mais il faudrait que ce soit... Non, et ça ne s'érose pas, parce que c'est une résistance, c'est la plus forte résistance d'ailleurs, de toutes les pierres qui existent. Hein. C'est à 3 tonnes 4 de densité au mètre cube, et c'est la plus haute résistance que je connaisse moi dans les pierres. D'accord. Hein, les granites, hein. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup plus dur que le marbre. Le marbre s'altère, le granit non. Voilà, et puis la plaque des associations sera à l'arrière. Alors c'est ça, ça me pose question, ça. Oui. Pourquoi? Mais parce que on a une implantation provisoire. Oui. Et le définitif, on ne sait pas exactement comment ça va être. Alors si on ne peut pas faire le tour, suivant comment elle va être implantée, ça ne sera pas lisible. Et c'est important que ce soit. Je pensais qu'elle était en bas, la plaque. Oui, oui, mais c'était comme ça qu'on avait prévu. Hein. Oui. Mais bon, je dis, c'est parce qu'il prédomine de plus. Quoi, hein. Non. Non, mais c'est comme le nom de M. Chaudet, malgré son investissement, c'est pas ça qui prédomine. Quoi. Oui. Non, mais que ce soit discret. Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est discret. Hein. Et là, on va le voir parce qu'on a été, au cours de la lettre, obligé de réduire hein, le texte. Hein. Donc vous allez voir comment je vais tourner. Là, hein. Et je suis passé vers la même chose. Oui. La France est tellement riche. Oui. Mais on est obligé de. Non, parce que c'est vrai que c'est. Oui. Parce que ça avait été prévu de mort. Oui, à ce moment-là, on l'avait fait. Hein. À ce moment-là, on fait une petite engravure là. Voilà. Et puis on le colle dedans. Hein. Mm. Ça, c'est pas un problème. Hein. Mm. Mais ça, je le ferai quand je l'aurai. Oui, parce qu'on ne sait pas du tout l'implantation. Mais voilà, on va dépendre des travaux des années qui vont commencer, peut-être dans l'hiver. Mais tu y étais, tant mais la tranche était brute. Ouais. La tranche était brute. Et bon, mais là, on est en train de la remettre aux dimensions. Quoi, hein, pour que par rapport à l'axe, les deux côtés soient parallèles, hein, soient symétriques. On aurait pu créer une asymétrie, hein, parce qu'à la limite, vu le thème que l'on traite. On aurait pu créer une asymétrie. Oui, on aurait pu. Hein, mais qu'est-ce que vous avez dit? Oh, j'éclate ça complètement. Hein. Vous dépassez les normes. Oh, là, moi j'étais sur du 80-90 aux alentours 100 heures. Mm-hmm. Et on va être sur du 180 heures, pas moins. Ah oui, ça fait du bien. Pour faire la dalle entière? Oui, pour faire le monument complet. Ouais. Et se rajoute de la 90 heures après le temps du marbre, et le marbre fait grand chose. C'est une histoire à la pierre. Et que là, on va finir.